Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne secondaire. On a déjà fait un jeu de ce développeur où on incarnait une streameuse qui était harcelée par un viewer, puis le viewer rentrait chez elle, puis ça... Bah je vous raconte pas la fin, hein. N'hésitez pas à aller checker la vidéo. Celui-ci parle de kidnapping, ça se passe toujours au Japon, et on va découvrir l'histoire maintenant. 3 juillet. Renya, et je suis du coup un garçon qui va à l'école élémentaire. Oh, il s'est pissé dessus, le pauvre. Oh non, je l'ai encore fait, faut que j'aille lui dire. Oh le pauvre, ça arrive à tout le monde, hein. À propos d'aujourd'hui... Ok, top. Bah, je vais me faire foutre. Qu'est-ce que c'est que cette démarche? Oh putain, les gars, pitié, quoi. Pourquoi tu fais une valise? Je vais te pisser dessus, regarde. Hop là. Alors, oh là, ramène-moi maintenant. C'est pas ici. Sorette, j'ai mouillé mon lit. Ok, bon bah écoutez, je vais défaire mon lit. Hop. Et je vais amener ça, du coup, dans la buanderie. Je ne sais pas où est la buanderie. Est-ce que je te donne à toi? Ok. Et elle va me montrer comment faire la lessive. Ok. Est-ce que c'est là? C'est pas là. Non, c'est là? Ah, c'est là. Ok. Je m'explique. Ce regard sans aucune âme. Serait, est-ce que tu peux m'aider? Ok, donc il faut que je mette dans la machine à laver et que je mette le bouton power et j'appuie sur on. Donc j'ouvre. Je mets. J'appuie sur power. Et j'appuie sur start. Et voilà! C'était pas. Oh, la maman elle est partie acheter du lait là, hein, j'ai vu. Hein. 1er septembre, d'accord, donc on part de 2 mois après, ok. Ma soeur m'appelle. Est-ce que j'ai pissé dans mon lit? Non, c'est ok. J'avoue, je me chie un petit peu dessus là. L'atmosphère est hyper oppressante. Ah oui, il y a des sacs poubelles de partout. La cuisine c'est ici. Quoi, la daronne elle s'est vraiment barrée. Hein. La daronne elle nous a vraiment laissé de leur. Solo, elle s'est vraiment barrée, top. Maman rentre à la maison? Bien sûr qu'elle va revenir. L'ambiance elle est terrible un peu, hein. 5 septembre. Je me demande si les vêtements ont séché. Ok, je vais aller voir. Ah, j'ai pas tilté, la daronne, elle est revenue entre temps ou pas? Bah attends, elle s'est vraiment barrée en fait. Ah ouais, donc elle est vraiment allée chercher du lait quoi. Ah super. Est-ce que les vêtements sont secs? Je prends ça pour un oui. Faut que je les mette tout maintenant? Merde, je sais pas du tout. The drawer, c'est quoi ce... Ah voilà, ouais, d'accord, ok. Oh, ah ouais, donc vraiment, la daronne est plus là, donc en fait, on est livré à nous-mêmes. Déma le nombre de poubelles, oh là là. Ah d'accord, c'est dans mon tiroir. Ok, d'accord, j'ai capté. Elle m'a pas appelé aujourd'hui. Je me demande si le repas est prêt. C'est une bonne question, j'ai l'impression qu'on est un peu solo là, mon petit pote. Elle ne cuisine pas aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est allée? Oh là là. Sorette? T'es où? Elle est là. Je vois pas ma sœur. Là non plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, tu vas me dire que là j'ai 6 ans, je vais devoir gérer ma vie tout seul? Ces chaussures ne sont pas là. Où est-ce qu'elle aurait pu aller avec ce temps aujourd'hui? Donc là je vais aller dehors sous la pluie là. C'est pas la pluie là, c'est une tempête. Il y a un ouragan qui se passe là. Oh là là, l'enfer. Hey, mon pire cauchemar. Au lieu d'attendre, tu sais, je sais pas, appeler la police ou attendre à la maison, qu'est-ce que tu vas sortir avec un ouragan pareil dehors tout seul là? C'est vraiment con en enfance, c'est pas réfléchir. 8 septembre. Du coup, je suis curieux, est-ce que la sœur est revenue? Est-ce que la mère est revenue? Genre, je suis tout seul. Attention tout le monde, soyez silencieux s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne suivez pas les étrangers sur le chemin du retour. Faites attention aux adultes bizarres. L'ambiance elle a changé d'un coup là. Déjà pourquoi est-ce que l'école elle est là wesh? Elle est perdue dans la forêt, qu'est-ce que c'est que ce bordel? À quel moment ça ressemble à une école même? C'est une prison ça, hein, ça n'a rien à voir hein. Écoutez, on rentre tranquillement chez nous, pour l'instant rien de bizarre. À tous les coups je suis celui qui habite le plus loin. Je vais me retrouver tout seul. Oula, putain, m'a fait peur. T'es qui toi? Eh mais tous les gens sont bizarres dans cette ville, c'est pas possible. Venez, on joue à cache-cache. Ok, vas-y, ça part. Vas-y, on va faire pierre, feuille, ciseaux. Allez, vas-y, dis-le. Toujours commencer par pierre. Et voilà, j'ai une grosse merde. C'était sûr. J'en étais sûr. Putain, aucun karma. Ok, bon, bah je vais compter. Caché ou pas caché, j'arrive. Est-ce que vous êtes prêts? Pas encore, bah frère, t'es chiant. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Prêt ou pas, j'arrive. Il y en a forcément un dans les hautes herbes. C'est... Oula. Frérot, qu'est-ce que tu fais à regarder des enfants jouer, là? Tout seul. Planter l'âme. Sans rien faire. Toi, tu fais pas partie du jeu, toi, non? Si je me souviens bien. Ah, derrière un arbre, c'est obligé. Non? Alors, le toboggan? Ah, j'en ai trouvé un. T'as vraiment fait zéro effort pour te cacher, toi, attention. Hein. J'ai trouvé Koïmé. Ok, ok, on va trouver les autres. Pour l'instant, il y en a aucun qui s'est caché dans les hautes herbes, juste à quatre pattes, là. Vraiment, ils sont tous très nuls. Ok. Ici. Non. Oh, attends. Mais il est hyper chaud. Mais ça y est, mais t'es un crack. J'attendais pas qu'il y en a qui sont dans l'arbre. Et du coup, il en reste un qui devrait être dans les hautes herbes. Il est où? Ça va me prendre 17 ans de le trouver. Oh!
C'est bon, on l'a trouvé. Ok, KJ, je suis une feuille. Allez, d'accord. Il y a aucun élève normal dans cette école. Allez, on rejoint encore une fois. Mais attends, mais... Monsieur, attention, on a vraiment 7 ans, quoi. Et vous en avez, à vue d'œil, au moins de 17, hein. Eh, vous, les garçons, est-ce que je peux jouer avec vous? Qu'est-ce qu'on devrait faire, Renia? Non, frère, vas-y, décale. Eh, dis pas ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Renia? Non, mais il décale. Eh, dis pas ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire, Renia? Arrête! Tu mets la pression, là! Qu'est-ce qu'on devrait faire? Je ne veux pas jouer avec lui! Ouais. Bah, attention, j'ai l'impression que j'ai pas vraiment le choix, hein. T'es un adulte, donc tu peux compter à l'intérieur du conteneur. Commence à compter. Ok. Mais les gars, venez, on se casse. Ah d'accord, il l'a enfermé. Ok, c'est notre chance, il faut qu'on parte. On va pas rester coincé avec un mec bizarre comme ça. Venez, on se casse. Ok, on se barre. Hein. Je l'aurais pas forcément enfermé dans le conteneur, mais je me serais juste barré pendant qu'il comptait, mais... Il va pas être content. Bon, manifestement, il est pas enfermé du tout. Il est vraiment bizarre. Ok, je pense qu'on est safe. Je pense qu'on a perdu le gars. Ok, on rentre. Oh, ça manque tellement ça. Okay, les gars, qu'est-ce que vous faites? Je sais que ça vous manque aussi, mais c'est excessif, hein. Eh, Rainy, elle va voler quelque chose. Mais c'est quoi ces potes que j'ai, là? Eh, je veux pas. Qu'est-ce que t'es une poule mouillée? Non, je sais pas. Ok, bah, va récupérer un truc. Il faut que je vole des chips, une cup de ramen et à boire. Bah, top, on va un repas, quoi, en fait, hein. Il faut que j'essaie de voler des trucs sans me faire cramer par Granny. Ah, c'est elle, là? Mais attends. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il veut d'un Wuto, là? Ah non, mais... Attends, mais c'est lui? Attends, comparé à moi, c'est un titan, le bordel. Je vais faire comme s'il était pas là. Okay, je vais essayer de récupérer les trucs qui sont, voilà, ici. Ah, putain. Ah, d'accord. Ah, putain, je suis stressé. Oh, putain. Oh, je me suis super peur. Oh, bah, attends. C'est une grand-mère ou c'est un démon? Je comprends pas. Ok. Récupère les chips. J'ai les chips. Il me manque quoi? Il me manque à boire? La grand-mère. Je l'ai perdu de vue. Elle est là-bas. Ok, c'est ici. Récupère un petit coca. Toi, tu vas faire comme si t'avais rien vu. Oh, t'es calme. Oh, ça a mis la pression un peu, la boutique, là. Je crois que la grand-mère a fait plus peur que le gars chelou qui nous suit. Ça, c'est ma maison. Tu sembles un peu déprimé en ce moment, non? Dis-moi si je peux faire quelque chose pour t'aider. On est meilleurs amis, non? Bah, après, tu m'as quand même demandé de cambrioler un magasin, quoi. Mais tranquille, hein. On est meilleurs potes, ça doit être ça. Ouais, plus tard, ouais. Ouais, vas-y, décale. On est que tous les deux, Koïmé. C'est moi qui vais être le dernier, tu vas voir, c'est sûr. Hein. Ah, tu vas voir qu'à tous les coups, c'est moi qui habite le plus loin. Hein. On parlait de kidnapping, mais on n'est pas obligé de parler de ça, on peut parler de plein de trucs, de jeux vidéo, de... Oh non, mais... Eh, mais pourquoi on parle que de trucs glauques, de clowns, de kidnapping? Mais on a 8 ans, bordel! Oh, on parle de Roblox comme tous les gamins de 8 ans! Eh, par rapport à ta sœur, je l'ai pas vue récemment. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, donc elle est pas réapparue depuis! Ah, je sais pas, elle a disparu. Et elle va bien? Bah, je pense. Si t'as besoin de quelque chose, juste viens chez moi. Ah, top, hein. Bah, je suis tout seul avec ma vieille canette, là. Oh, comment je vais tailler une pointe? Allez, c'est bon, on rentre. Dis-moi qu'il y a personne dans le véhicule, il y a personne dans le véhicule. Attends, il y avait quelqu'un, là. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a des corbeaux nulle part sauf au-dessus de chez moi? Je suis à la maison. Premièrement, il faut que je me lave les mains. Tu veux pas lâcher ta cup noodle là? Lâche le truc, non? Oh là là, ah ouais, donc c'est vraiment. C'est lugubre un peu où il est là. Hop et hop. Et moi, je vous jure, c'est une angoisse d'être tout seul chez moi. Mais même à mon âge actuel, hein. Vraiment, quand je suis tout seul chez moi, je suis pas bien. Hein. Ok, bah c'est parti pour un devoir. Oh non, frère, non! Oh, c'est chiant ça. Et voilà! Avec ça, j'ai pas 100 sur 100. Attends frérot, mais je vais pas rouvrir, hein. Tama, t'as vu quelque chose ou pas? T'en as rien à foutre, Tama, parce que t'es un chat de merde. Tu vous serve à rien, ces foutus chats. Griffe-le, fais un truc. Oh, j'ai pas envie d'aller en bas. Oh, mon cœur, il bat tellement vite. Hein? Oui, c'est qui? Quel enfer. Je sais même pas comment je réagirais. J'avoue, là, actuellement, genre là, à ce moment, mettez en commentaire ce que vous feriez. Je pense que je me cache dans des poubelles et je pleure. Non, je peux que faire ça avec un couteau. Et j'attends. Lettre, j'ai ta sœur. Tu veux pas la perdre. Casse tous les ballons, loser. Mais attends, c'est quoi ce bordel?
Mais c'est quoi ce bordel, mais... Il a fait un vrai setup là, hein. C'est bon, j'ai eu tous les ballons. Attends, mais dis pas qu'il en a mis dans toute la baraque. Comment ça j'ai un timer? Comment ça j'ai un timer? Il en a mis dans toute la baraque. Allez, 2 minutes. Mais oh, c'est abusé, non, là, t'abuses. Ok, il y en a en haut, je me doute. Ouah, non. Je veux pas savoir ce qui se passe à 1 minute 20. Je veux pas ça. Non, mais frère! Il en reste un là. Je peux pas, il est bloqué. Je peux rien faire? Je vais péter un plomb? Il est bloqué, je peux rien faire! Oh non, c'est bon, je l'ai eu! La pièce, elle a été déverrouillée. Qu'est-ce que c'est que ce portail? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez, en fait, le plot twist, c'est ma daronne, le clown. C'était un rêve. Trouver ta main. Attends, tout ça, c'était un rêve. Bah, ça a une logique, hein, quelque part, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Sorti? Il est où, ce con de chat? Attends, il y a des traces de pas, là. Oh, pitié. Il y a des traces de pas. Oh, j'ai pas envie d'ouvrir le placard. Je veux le placard. 1, 2, j'ouvre! Ta main? Je t'ai trouvé. Je le savais en plus! Je t'ai trouvé! J'en étais sûr, je m'en doutais! Je l'ai senti venir! Ah, il m'a kidnappé du coup. Attends, mais il y a ma sœur aussi? Et il a chopé ma sœur et moi! Sœurette? Où est-ce que je suis? Est-ce qu'il y a un moyen de sortir de cette chambre? Ah, il le fait exprès, il a forcément laissé ça exprès, c'est pas possible. Genre, comme par hasard, il y a un marteau. Eh, hey, Sœurette! Putain, elle m'entend pas. Oh merde! Il rentre! Et moi aussi, faut que je rentre! Dépêche-toi! Comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à gauche, je vais à droite, je fais comment? Ok, je vais par là. Non? Pas par là? Ok, par là. Dépêche-toi. Elle est où? Ok. Viens, on se barre. Qu'est-ce que tu penses faire? Hein? Attends, quoi? Hein? Elle est ravagée. Putain, elle est ravagée. On a une mère qui est partie acheter du lait qui est jamais revenue. On a une sœur qui est ravagée, putain, mais où on est tombé aussi? C'est la... Elle m'a viré en fait! Ok. Je suis censé faire quoi ici, moi? Oh là. Putain, mais c'est pas possible. Mais attends, mais c'est une dinguerie! Non, c'est une dinguerie de faire ça en vrai! Attends, c'est ma daronne? Mais non. Attends, qu'est-ce que c'est que ça là? Ah, il dort? Mais attends, mais. Pourquoi il dort par terre comme ça là? Ok, j'ai récupéré les clés. Faut qu'on se casse. Oh là là. Je pensais que ma baraque était en bordel à balle, mais alors lui c'est encore pire, hein. Ok, on se barre, j'ai les clés. Ah, c'est les clés du portail! Allez, dépêche-toi. Donc on... Oh! Putain, fais peur! On a rien à foutre que ma soeur soit inquiète! Non, mais c'est pas possible. Juste détends-toi. Mais... c'était quoi? Je sais même pas quoi lui répondre. Je saurais même pas quoi lui dire. Le mec obéit à tout ce que je lui dis de faire. Fais pas de choses bizarres. C'est la seule façon que maman m'aime de nouveau. D'accord. Bah, on va faire ça, hein. On va faire ça, hein. On va pas faire ça du tout. Ma sœur agit bizarrement. Qu'est-ce que je devrais faire? On va lui péter la gueule. Ok, alors là, on a deux possibilités. Soit je peux aller ici, obéir à ma sœur. Oui ou non? Jamais de la vie. Jamais. Et là, je ne peux pas compter sur ma sœur, il faut que j'aille chercher de l'aide. Ah, donc là, j'ai un vrai choix. Ah, attendez, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, jamais de la vie, on l'écoute et on va se coucher. Vous avez vu la psychopathe que c'est, on peut pas partir se coucher. Écoutez, je prends la décision de m'enfuir. Est-ce que j'y vais vraiment? Ah, tu mets la pression du coup, là. Me fais pas valider. Oui, j'y vais vraiment. Il faut que je parte dehors, il faut que j'arrive à sortir sans me faire avoir par le gars ou par ma sœur. Oh. Est-ce que vraiment vous aviez vu venir le fait que ma sœur était dans le coup? Parce que est-ce qu'on pouvait le deviner même? Oh, si je me rapproche, je suis mort. T'as peur? S'il te plaît! Ok, ça passe. Bah, c'est un miracle, mais ça passe. Comment, c'est pourquoi j'ai besoin d'une batterie? Ok. Oh merde! Alors attends.
Il y a trop de trucs qui se passent. Les clés sont ici. Elle regarde la télé. Il faut que j'amène son attention là-bas, là où il y a la batterie de la radio. Donc il faut que je trouve la batterie de la radio. Ou alors la télécommande. J'ai la télécommande. Mais si j'éteins maintenant, je suis mort. Faut que je trouve la batterie de la radio. Mais elle est où, la batterie de la radio? Ah, si j'éteins, là, je suis dead, hein. Non, je peux essayer, hein, mais... je suis mort. Non, si je fais ça, je suis foutu. Je sais pas quoi faire. C'est la panique. C'est la panique. Écoutez, je sais pas ce que ça va donner, mais on va tenter. Tiens, ton émission de télé de merde. Elle bouge, elle bouge. Évidemment, elle passe par la seule porte que j'ai pas calculée. On récupère la télécommande. On éteint la télé et elle va passer par la porte là-bas. Donc nous, on reste ici. Parfait. On passe ici, on récupère les clés. Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Le truc, c'est que... Ah là, je sais pas prévoir ses mouvements. Je sais pas ce qu'elle va faire. Ah. Ok. Je l'entends. Arrive. Je suis mort. C'est un miracle. Est-ce que la clé elle ouvre quelque chose? Un placard ici? Oh, je me suis mis dans la seule pièce où je peux pas me bouffer. Je suis mort. Elle est peut-être un petit peu myope, c'est vrai, peut-être. Vous savez où faut aller? À quel moment tu mets une porte alors que y a un skin de placard partout? C'est une dinguerie! Et la batterie est ici. Eh oui. Eh oui, ça n'a aucun sens. En effet, mais oui, je suis d'accord avec vous. Je vous avoue, je suis curieux de savoir ce qui se passe dans le grenier. Ah, la curiosité est un vilain défaut! Oh, je vais canner tout ça pour ça, donc c'est gratuit en fait. Je me suis juste pris un screamer gratuitement. C'est pas possible d'avoir un aussi mauvais timing! Ah, on passe par là, on referme, on récupère la télécommande, on lui éteint son émission de merde! Qui regarde des compilations de chats à la télé? Qui? Est-ce que c'est pas un signe d'être psychopathe? On récupère les clés, et on va enfin utiliser cette foutue batterie. On met on sur la radio. C'est un miracle, mais ils sont tous aveugles! Ils sont tous myopes dans cette baraque, c'est un miracle! Ok, là on se dépêche. On se cache aux toilettes! Wouh! Ok, on s'en va, on a les clés! On peut partir là! Ok. On part à vélo! Ah bah oui, bah utilise la sonnette carrément de fou! Ouais. Ah mais on va où? C'est notre sœur quoi, enfin elle sait très bien où on habite donc. C'est quoi la stratégie là? On fait quoi? On va où? Je suis foutu. Ils sont juste derrière, je suis foutu. Allez. Dans quelle maison je devrais aller? Ok, du coup si je vais pas chez Keiji mais que je vais chez Masahiro, ou alors je peux aussi aller à gauche! Ah mais j'ai trois choix en fait. Écoutez, je vais tenter à gauche hein. Attends, ils m'ont renversé. Mais c'est pas du tout ce qui était prévu. Mais on me poursuit ou pas là? Oh! Mais il trace sa mère en plus! Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi, cours plus vite. Ok, j'ai couru jusqu'à la maison de Koïmé. Et je savais pas où j'allais, mais je me rappelais que sa mère travaillait dans un endroit où elle s'occupait des enfants en difficulté. La mère de Koïmé a écouté soigneusement tout ce que j'avais à lui dire. Elle a accepté de nous garder, moi et ma sœur, pendant quelques jours. Et elle est même allée chercher ma sœur chez la maison du gars suspect. J'ai cru comprendre que ma sœur avait résisté, mais au bout d'un moment, elle s'est calmée et elle est partie de la maison du gars chelou. La mère de Koïmé a rencontré le monsieur, a compris qu'il n'était pas dangereux. Ah bon? Mais frère, attends... Comment ça? Peut-être qu'il faudrait investiguer un tout petit peu plus longtemps, je sais pas, je dis ça comme ça, je lance l'idée. Non, parce qu'il y a deux, trois souvenirs là qui me reviennent et Oula. Bro, qu'est-ce que tu fais à regarder des enfants jouer là? Oh putain, fais peur! Pas dangereux, hein. Et elle nous a suggéré qu'on aille tous les deux en foyer d'accueil. On a été contents d'avoir ce choix. C'est elle, du coup, notre mère d'accueil. Mais toi, je te fais pas confiance. Regarde-moi sa tête, là. Je suis surtout effrayé de toi, hein. Pas de maman, hein. De toi, hein. Oh là, elle revient nous chercher. Attends, c'est quoi les bails? Qu'est-ce qu'elle me raconte, là? Qu'est-ce qu'elle me fait, là? Ah, donc elle nous récupère, genre. Elle nous récupère. Sakiko répond-moi. Elle a fait... Attends, encore, elle passe aux aveux. Je lui ai demandé de nous kidnapper. Vous kidnappez tous les deux. Mais à quoi il pensait? Qu'est-ce qui va pas avec lui? Ah, elle va dans la maison du gars. Mais attends, mais qu'est-ce qu'elle va faire?
Alors, je veux pas dire, mais là, il y a quand même... Au vu de ce qu'il a dans la main, ça, c'est... ça a mal se terminé, hein. T'as pas d'autorité sur eux. C'est mes enfants. Je suis leur mère. Oh là 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 là. Tu comprendras jamais. Est-ce que tu m'écoutes? Il va la planter. Ok. Et finalement, du coup, ça nous rend heureux que notre mère disparaisse, parce que je pense que, vu comment elle s'occupait du gamin, ça m'étonnerait pas qu'il en ait eu un peu marre d'elle. Mais je n'attendais pas à ce qu'il le montre aussi vite. J'espère que ça vous a plu. Il y a d'autres jeux de ce même développeur. Il y en a pas mal d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse les autres. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, vous connaissez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!